السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو إن شاء الله نعمل دراسة متتالية من نوع متتالية يو إن من نوع يو إن زائد واحد يساوي إف دو يو إن. دونك سوا إن فونكسيون إف ديفيني بار إف دو إكس إيكال أن سور دو فوا راسين كاري دو تروا بلوس إكس أو كاري. لا بروميير كيستيون سي إتيديي لي فارياسيون دو f sur r plus. Donc on a f est défini sur r et en particulier sur r plus et en particulier sur R plus. Donc, pour que x appartient à R plus, f c'est dérivable et f prime de x égale 1 sur 2 racine carré de 3 plus x au carré prime égale. Donc, comme on sait que prime de racine carré de f de x égale f prime de x sur 2 fois racine carré de f de x. Donc f prime de x égale 1 sur 2. F prime, c'est-à-dire 2 fois x sur 2 fois racine carré de 3 plus x en carré. On simplifie par 2 et on a pour tout x positif, f prime de x égale x sur 2 fois racine carré de 3 plus x au carré qui est positif. Donc, f est croissante sur r plus. La deuxième question. Résoudre dans R l'équation f de x égale x. Donc, deuxièmement, résolution de l'équation f de x égale x. Donc, pour tout x appartient à R, f de x égale x équivalent que 1 sur 2 pour racine carré de 3 plus x en carré égale x. On a 1 sur 2 positif, racine carré de 3 plus x au carré est positif, donc x sera aussi positif. Donc cela équivalent que 1 et 1 sur 2 fois racine carré de 3 plus x au carré tout à la puissance 2 égale x au carré, c'est-à-dire 1 sur 4 facteur 3 plus x au carré égale x. Donc même 3 plus x au carré égale 4 fois x au carré. Donc, x au carré, 4x au carré moins x au carré fait 3x au carré qui est égal à 3. C'est-à-dire que x au carré égale 1. C'est-à-dire que x égale à 1. Car si x égale à moins 1, 1 sur 2 fois racine carré de 3 plus x au carré, différent de moins 1. C'est pas négatif. Donc, l'ensemble des solutions, s égale 1. Alors, donc ici, on va dire, bon, R plus.
Troisième question. Montrer que pour tout x appartient à un intervalle ouvert, 0, 1, f de x est strictement supérieur à x. Donc, troisièmement, donc pour montrer que f de x supérieur strictement x sur l'intervalle ouvert 0, 1, on introduit une nouvelle fonction, donc, par exemple g, donc soit g de x égale f de x moins x, que g de x égale f de x moins x. Et on va voir si g de x est positif, c'est-à-dire que f de x est supérieur à x. Alors, on a g est défini sur R et en particulier sur R plus. Alors, si g est dérivable sur R plus, donc pour tout x partant à R plus, on a g prime de x égale f prime de x moins qui égale f prime de x car x sur 2 fois racine carrée de 3 plus x au carré moins qui égale x moins 2 fois racine carrée de 3 plus x au carré plus sur 2 fois racine carrée de 3 plus x au carré. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de x moins 2 fois racine carrée de 3 plus x au carré, qui va donner x au carré, moins 2 fois racine carrée de 3 plus x au carré, tout carré, c'est-à-dire moins 4 facteur de 3 plus x au carré plus 2 fois racine carrée de 3 plus x au carré qui égale x au carré moins 4 fois x au carré, ça fait moins 3 fois x au carré, moins 4 fois 3, et moins 12, tout sur 2 fois racine carrée de 3 plus x au carré, et c'est strictement négatif. Donc, j'ai strictement ou bien g est décroissante. Voilà, elle est strictement décroissante. Pourquoi? Car si x est décroissante, g est décroissante, c'est-à-dire quoi? C'est que g de l'intervalle 0,1, l'image de l'intervalle 0,1 par g, est là. Décroissante, donc on commence par limite de g du x lorsque x tend vers 1 et g de 0 fermé égale. Les limites de g de x lorsque x tend vers 1, c'est g de 1 qui est égale f de 1, c'est 1 sur racine carrée de 4, c'est-à-dire racine carrée de 4, 2 sur 2, c'est 1, moins 1, c'est 0. G de 0, c'est f de 0 moins 0, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Donc, pour tout x appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert, g de x appartient à l'intervalle semi-ouvert 0, racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire que g de x est strictement supérieur à x. G de x strictement, pardon, strictement
positif, c'est-à-dire que f de x est supérieur strictement à x. Donc, f de x est strictement supérieur à x pour tout x appartient à l'intervalle 0. Pour la deuxième partie, soit un, une suite numérique définie par pour toute n appartient à n, on a u0 égale 0 et un plus 1 égale f de un. Étudier la monotonie de un. La monotonie de la suite un, c'est-à-dire voir si un plus 1 est supérieur ou bien inférieur à un. Si un plus 1 supérieur à un, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de un supérieur à un. Mais il faut vérifier premièrement que un appartient à l'intervalle semi-ouvert 0, 1. Donc on a pour un, deuxièmement, on a un plus 1 égale f de un. Un est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Bon, c'est là qu'on va montrer maintenant. Donc, pour n égale 0, on a u0 y compris entre 0 et 1, c'est-à-dire u0 est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1. Donc, on suppose que un supérieur à 0 inférieur strictement à 1 pour n appartient à 1, et montrons que un plus 1 aussi compris entre 0 et 1, c'est-à-dire un plus 1 supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à 1. Donc on a, d'après l'hypothèse de la récurrence, on a 0 inférieur à un et inférieur strictement à 1. Bon. Donc, quelle est la relation entre un et un plus 1? C'est un plus 1 égale f un. Or, f est croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, f de 0 inférieur égal à f de un inférieur strictement à f de 1. F de 0, c'est racine carrée de 3 sur 2. Inférieur égal à f de un, c'est un plus 1. Inférieur strictement f de 1, c'est 1. On a 0 et 1 plus égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc, pour toute n appartient à n, on a un et compris entre 0 et 1 d'après le principe de la récurrence. Donc, on a vu que la proposition
est vrai pour n plus 1. Alors, un maintenant, on a trouvé que un à partir de l'intervalle semé ouvert 0, 1. Donc, f de un est supérieur strictement à un. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur strictement à 1. Donc, la suite un est strictement croissante pour que n appartient à 1. Détermine sa limite. La limite de un. Comment on va déterminer alors la limite de la suite un? Puisque un définit par f par un plus 1 égale f de un. Donc, si on considère la fonction f, f, on a. Alors, on a un à partir de l'intervalle 0, 1. Un plus 1 égale f de un. La fonction f est contenue sur 0, 1. F de l'intervalle 0, 1 égale f de 0. Limite de f lorsque x tend vers 1 à gauche. Égale f de 0, c'est racine carrée de 3 sur 2. Limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche égale f de 1 qui est 1. Donc, on marque f de 0, 1 est inclus dans l'intervalle 0, 1. Alors, L est la limite de la suite un est la solution de l'équation f de L égale L. Et on a déjà trouvé que f de x égale à x si x égale à 1. C'est-à-dire que la limite de un égale 1. La troisième partie, une nouvelle suite Vn qui est définie par Vn égale un au carré moins 1. Bon, troisième partie, on a Vn égale un au carré moins 1 pour toute n appartient à 1. Première question, c'est montrer que Vn est une suite géométrique. D'accord. On a donc soit n appartient à n. On a Vn plus 1 égale un plus 1 au carré moins 1. C'est-à-dire Vn plus 1 égale un plus 1 au carré, c'est 1 sur 4. Facteur 3 plus un au carré moins 1 qui égale 3 sur 4 plus 1 sur 4 fois un au carré moins 1 qui égale 3 sur 4
moins 1, c'est 3, moins 4, c'est moins 1 sur 4, plus 1 sur 4 fois un, égale 1 sur 4 facteur un moins 1. C'est-à-dire un, pardon, un au carré. Un au carré. Donc, Vn plus 1 égale 1 sur 4. Un au carré moins 1, c'est Vn. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 4 et de premier terme V0 égale plus 0 on parlait moins 1 égale moins 1. Donc Vn est une suite géométrique de raison 1 sur 4 et de premier terme V0 égale 1 moins 1. Déterminer Vn en fonction de n. Donc, cela implique que Vn, donc, Vn égale. Le premier terme, c'est V0. Voilà la raison Q à la puissance n moins 0. C'est Q à la puissance n. On a V0, c'est moins 1. Q, c'est 1 sur 4. Donc, Vn égale 1, moins 1 sur 4 à la puissance n où tout n appartient à n. La troisième question, la dernière question, c'est déterminer la limite de un. Donc, la limite de la suite un. On a Vn égale un au carré moins 1. Donc, un au carré égale Vn plus 1. C'est-à-dire que un égale racine carrée de Vn plus 1. Quoi? Car un est positif. Donc, un égale racine carrée, Vn c'est moins 1 sur 4 à la puissance n plus 1. C'est-à-dire racine carrée de 1 moins 1 sur 4 à la puissance n qui est inférieur à 1. Donc, la limite de un égale 1. Pourquoi? Car limite de 1 sur 4 à la puissance n égale 0. Et pourquoi? Car 1 sur 4 est compris entre, est strictement entre moins 1 et 1. Et merci de votre attention. On va se laisser à la fin. Et